Blaise Guirao, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et pour la paix, UDPCI, a réagi après la condamnation de Guillaume Soro à la prison à perpétuité par la justice ivoirienne le mercredi 23 juin 2021. Cette condamnation qui vient dans cette période où on parle de réconciliation et de paix est pour moi inappropriée parce que au moment où partout chaque réconciliation, cohésion sociale, paix, cette condamnation vient véritablement brouiller toutes les pistes. Et faire en sorte que maintenant se pose des questions si véritablement tout le monde est parti prenant cette réconciliation vraie. Pour rappel, Soro Guillaume était accusé d'avoir fomenté une insurrection civile et militaire visant à renverser le président de la République Alassane Ouattara en décembre 2019. Outre cette condamnation, le mouvement politique dont il est le président Génération et Peuple Solidaire, en abrégé GPS, a été également dissous. Des verdicts que Soro Guillaume dit rejeter totalement dans une déclaration produite dans la foulée.